Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Ben oui. Bonjour, bonjour les amis. Oui. Voilà. Col des Fourches et on va aller se faire les lacs Morgon. Ouais. Morgon et Mossé. S'ils sont. Bon, espérons qu'il y a du soleil, ça devrait. Ouais. Ça devrait aller. Là dans les herbes, vous allez voir, elle va se mettre à courir dès qu'on va arriver. Voilà. Elle, c'est une rebelle. Elle se dit, j'ai pas peur. Bonjour. Des marmottes, des chamois, des oiseaux. Quelle merveille, mon Dieu. Alors le mont des Fourches, là c'est le mont des Fourches, 30 minutes. Voilà, nous sommes au col des Fourches, 2261 mètres. Marmotte là-bas sur la marche. Ah ouais, ouais, ouais. Moi, je pense qu'on va en voir, on va en voir plein aujourd'hui. J'en profite pour aller voir un petit peu les blocos de plus près. Étant donné que Daniel m'a dit qu'il devait aller faire une course, je comprends pas parce que il n'y a pas de magasin, je sais pas. Le triangle des Bermudes. C'est tout là-bas. Ouais, je sais pas. Non, c'est du chamois, je pense. En tout cas, ça siffle, hein. Ouais, ouais.
marmottes sur la pierre. Alors là, il y en a partout. Là-bas, il y en avait deux là. On est en train de se faire un petit bain de soleil. Bah, rester tout l'hiver à hiberner, tu m'étonnes. C'est pas sauvage, elle. C'est pas tout de suite. Ah, homme pas de méhum. GR5, GR56. Non, attends. Balise 37, c'était ça? Ouais. Non, attends, on va relire. Alors, on était tout là-haut. Donc il y a deux chemins là, il y a une intersection là. Et bon, nous supputons que c'est le bon chemin. Il y a des petits panneaux PR, parti républicain, c'est ça? Je crois. Hein. Dans ces petites randonnées, donc je sais pas, on va voir. Petite Narcisse. T'as vu celle-là ? Ouais. Maximum de variété de fleurs là. Ouais, c'est beau. Hein. Regardez ça, messieurs dames. Cette merveille, comme on disait avec Daniel, à tous les endroits où l'homme n'est pas passé, c'est magnifique. C'est beau. Voilà, ouh là. Il y en a deux. Trompé, Daniel avait raison et c'est moi qui lui ai dit mais non c'est par là parce qu'il blablabla en fait et en fait c'est pas par là du tout. Allô. Je vous présente mes toutes plates d'excuses. Bon bah voilà, bah au moins je vais juste aller voir ce qu'il y avait au bout. Ah, il y a un petit lac là.
Ah, c'est quand même vachement beau. Le mont Argentera. Voilà, nous quittons le mont Argentera, donc on sort de l'Italie, on retourne sur nos pas et je pense que ça va rajouter deux petites heures à la rando. Mais c'est ça qui est bien, tu vois. Hey, Daniel, oui. Comment elle s'appelle la chaîne? Nickten sens de l'orientation. Voilà. Nickten aventure, ça fait partie de l'aventure. Ouais. Je veux dire, on peut pas toujours tout cacher, tout camoufler, tout faire au montage, faire croire aux gens que tout est beau et tout est, tu vois. Donc là, nous sommes passés en mode hors-piste. Qui est peut-être pas une bonne idée. Ça ressemble un peu aux aiguilles de tortise. On est là au lac de Vins, qui ne sont pas loin d'ailleurs. Cette chance incroyable d'être seul au monde ici. Donc en fait le chemin, il est là au chemin de rando. Donc nous on a coupé là pour aller directement, pour gagner du temps. Une borille. Ah ouais, elle est magnifique. Très très belle. Ah là, c'est le top. Hein. Alors là, tu peux venir passer une petite retraite spirituelle. Et voilà, on tombe sur quoi? Donc la petite maison est là-bas. Moi je suis là. Le guide. Voilà. Et alors, cerise sur le gâteau. Et une petite cascade, voilà. Thank you.
pure merveille. Pure merveille. Donc, les... oh regarde, une champignon. Oh, ça c'est une veste de loup. Oh purée, ça c'est bon ça. Ah bon? C'est ouais. Pas celui-là qu'on a fumé quand tu les perces? Oui, mais quand ils sont frais comme ça, non, c'est bon ça. Ouais. Alors ça c'est une veste de loup et puis elle est fraîche. Hein. Mesdames et messieurs, en direct live. Ah merde. Voilà, la veste de loup. Alors, ça, coupé en lamelles, trempé dans l'œuf, pané et frit comme ça. Ah ouais? Ah ouais. Tu le gardes? Oui. Nous avons affaire à un skieur alpin, professionnel évidemment, un compétiteur. Même un petit bassin si tu veux aller te rafraîchir. Ça c'est spécial marmotte. Hein. Comme tu dis, c'est la piscine à marmotte. Ouais. Et c'est pas mal. Hein. Oh, le beau dénivelé qui nous attend. Si vous voulez voir Daniel en chier. Oui. Voilà. On peut le dire. Alors, attention. Oh là 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 là. Putain, on arrive, mais alors... Daniel. On peut pas arriver plus sur le lac. Hein. Ouais. Il est juste devant. Ah ouais. Ah, magnifique. Oh. Des millions de gens te regardent, Daniel. Voilà, ça donne envie de planter sa tente, hein, tout simplement. Donc lui, ça serait quoi? Ah ouais. Donc ça, c'est les lacs Morgon, toujours. C'est fou, il n'y a pas de panneau, il n'y a rien indiqué. C'est incroyable, quand même. C'est gros de direction, mais pas mal. Wow.
Donc moi je pense que ça c'est le lac Morgon. Et je pense que les lacs Lossé sont derrière. Non. Parce que l'eau c'est le lac Morgon et l'eau c'est les lacs Lossé. Voilà, regardez comme c'est. Oh, comme c'est beau. C'est super beau avec la petite île au milieu là. Regarde. Des rhododendrons. Oui, c'est beau. Ils fleurissent. Magnifique. Là, il y a des myrtilliers. Des myrtilliers ? Mais il n'y a pas encore. C'est pas encore. Tout à fait. Hyper mignon. Bourré de charme ce petit lac là. Bon, en fait, les lacs de Morgon et Lossé sont juste à côté. Donc, ouais. Si vous faites Morgon, vous faites aussi automatiquement Lossé. Bon, là, ça ne va pas être par là. Ah ouais. Waouh. Magnifique. Il a carrément calme. C'est hyper beau. C'est vraiment sauvage. Caché, c'est en retrait. C'est dans une cuvette, c'est vraiment magnifique. On pourrait presque passer à côté finalement. Parce qu'il y en a. En fait, il n'y a aucun panneau d'indication. Je pense que c'est voulu. Hein. Je pense que c'est pour éviter d'avoir des. Je passe tout ce que tu en passes, mais moi je trouve qu'ils sont toujours bien. Ouais, c'est vrai qu'ils sont beaux. Merveille, petit lac de Lossé. Hop. Oh, franchement, elle est méga bonne. Et même se baigner, quoi. Ça, c'est quoi? C'est le lac des enfants? Une petite extension. Attaqué par des mouches à reine. Ah bah il y en a un autre. Ah bah. Elle est pas mal aussi. Hein. Un
fallait la voir. Tiens, elle va sauter. Elle saute pas. Bon, la vidéo, je suis désolé, hein, vous allez vous dire, il nous fait chier que c'est là que lui, mais bon, c'est tellement beau, faut pas m'en vouloir. Parce que c'est rythme à beau. Ouais. Une linérette, quelque chose linérette. Donc à Juvet, au lac de Lignan, il y en avait beaucoup. C'est doux comme du coton. Je crois que j'ai trouvé l'entrée du Mordor. Ok. Et voilà, nous retournons au véhicule. Voilà, véhicule. Qu'on appelle Polo. Pour les étudiants. Regardez ça comme c'est beau. Mais regardez ça. On ne peut pas s'enlacer. On ne peut pas s'enlacer. Voilà. Donc ça, c'est les fameux lacs qu'on a vus quand on est arrivé là, par ici. Donc on s'est dit qu'on irait les voir en retour, mais bon, vous voyez, le chemin, il est là. Bon, ils sont beaux, hein, ils sont tout jolis, mais je pense qu'on a vu ce qu'il fallait voir en termes de lacs. Et on les voit d'ailleurs très bien, mais... Par contre, j'ai l'impression même que c'est pas mal d'eau là-bas. On se rapproche de la petite maison dans la prairie. Je ne sais pas si vous voyez, vous avez la lune qui se trouve juste là. Regarde la marmotte là-bas dans le... Ah là c'est mode... putain ça... Waouh, ah ouais. C'est casse-gueule là-haut. Ah, ils sont ça. Ah ouais. Donc là faut vraiment faire gaffe quoi. Ouais, tranquille quoi. Ouais, c'est... Ok donc les amis, voyez-vous ce qui vous attend donc... C'est raide, hein, ça rigole pas. Hein. Joli là, t'as vu avec les roches. Oh, un suricate, hein. Une marmotte qui nous a flairé. Regardez comme c'est beau ça. Donc derrière. C'est magnifique. Daniel, est-ce que tu peux, s'il te plaît, faire en sorte que les gens ne fassent pas la même erreur que nous? Voilà. Ici, il y a écrit GR et GR, c'est par là. Il y a celui-là de chemin et il y a celui-là. Et puis, il y a le col de Pauriac par là. Mais, si tu permets, tu me suis. On retourne faire la rando pour vous montrer mieux parce que... Ouais. Voilà. Là, ben regardez ici. Déjà. Voilà. Hop. Voilà. Là, il y a écrit que c'est plus le GR. Donc, il ne faut pas prendre le GR. Sinon, le GR, il vous mène là où on est allé nous donc ce matin. Là, il y a les panneaux indiqués GR. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a fait. Là, vous arrivez sur l'Argentera. Exactement. Et une fois qu'on est tout là-haut, vous êtes à une heure de l'Argentera. Et pour aller au lac,
Morgon et Lossé, c'est là à droite. Et puis voilà. Et puis après, et c'est derrière. Il suffit de le suivre et c'est tout. Voilà. Là, on se sent un petit peu petit face à ces mastodons de montagne. Et qui c'est qui va remonter tout ça jusqu'à là-haut? Ouais, c'est des gens là-haut. Ben, c'est toi et moi. C'est ça. Absolument. Et ben, je peux vous dire que les amis, autant lui que moi, ça la ramène pas. Hein. Parce que là, vous voyez, attends, elle est où la maison où on était? Voilà, où? Là. Ah ouais, là-bas. Ouais, mais nous, c'est... Non, mais on était... Ouais, évidemment. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, on est... On était là-bas. Ouais, enfin, on a fait là-bas, on est revenu par là-bas, on est passé derrière, bref. Hein. Mais là, cette côte, les amis, je vous garantis, on dirait pas... Et bon. Là, on arrive sur un espèce de presque faux plat. Alors, la partie la plus dure est à venir. Mais on en chie. Hein. Là, on... On est arrivé et on est bien content. Voilà. Comme quoi, on y arrive toujours. Donc ce fut une journée exceptionnelle, mémorable. Merveilleuse. Une randonnée incroyable. Voilà. Donc on est arrivé au camp des Fourches. Et maintenant on va rentrer. Et maintenant on rentre. Il est du coup alors. Donc, on a fait. Il est 17h07. On a fait 16 km 780. Ouais. 7h36 de marche. Tu vas 31 433 pas pour être exact. D'accord. Et 1134 de dénivelé. C'est pas vrai. Ouais. Puis, je suis un bon. Altitude 2154 mètres. Putain, je suis un bon. Il est bon. Hein. Il est bon, hein. Il est bon le mec. Je m'envoie des fleurs.